Et salut à tous et salut à tous et bienvenue pour la suite d'Uncharted 3 Remastered PS4. Et malheureusement, l'épisode précédent, vous n'aurez pas mon son. Il cause la capture a planté, ce qui a fait corrompre mon fichier Audacity et dont j'ai pas pu récupérer. Donc voilà. Un, deux, trois, quatre. Donc, let's go. Allez, t'es où? Viens ici, espèce de connard! Tant de gros ces mots. T'es mort! Tu m'entends, t'es mort! Reviens là, espèce de... Pas d'issue.
Je vais les tuer. Vous avez tué Sully. Je vais vous buter pour venger Sully. Pareil, il va crever comme une mort. Des démons de feu, des démons sortis de la fosse. Des démons de feu, des démons sortis de la fosse. Des démons de feu, des démons sortis. C'est pas réel. Des démons sortis d'un feu sans feu. Vous êtes bien chiant. Des démons de feu. Des démons sortis d'un feu sans feu. C'est pas réel. Allez. Des démons sortis. C'est pas réel. Des démons sont... Des démons sortent. C'est pas réel. C'est pas réel.
ça peut être un peu du cœur. Je vais toucher le bazooka. Ça va tuer Sully. Là, c'est pareil. C'est pareil. Je dois sortir. Tu es scellé. Non, c'est pareil. C'est pareil. Non, c'est pas réel. C'est pas réel. C'est pas rigolo en plus. Ça va tuer Sully. Non, c'est pas réel. C'est pas réel. Sully! Non, mais... Sully! Non. De faire ça.
tu veux là. Hein? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est là d'où on vient. S'amuser, connard. Chapitre 22, ceux qui rêvent du jour. C'est fini, Drake. Quand tu veux passer, il faut passer carrément la rage. Bon. Merde. Courez. Bien chier. Ah!
Et toi, Nate? Dieu merci. Tu vas bien? Si tu savais ce que je... C'est quoi le problème? Qui me dit que t'es réel? Et ça, c'est assez réel? Pointe jamais de flingue sur moi. Je les ai vus descendre. Juste après l'éclipse. Quoi? Quelle éclipse? Eh, petit, t'as pété les plombs après avoir bu à cette fontaine. Ça vient de l'eau. Voilà ce qui a détruit la ville. C'est pas la colère de Dieu. Toute la réserve d'eau est polluée par une espèce d'agent hallucinogène. Ça a dû tous les rendre fous. C'est sûrement ça que veulent Marlowe et Talbot. Ouais, t'as raison. Cutter a dit, ils contrôlent leurs ennemis par la peur. Ouais, ça doit être ça. En théorie. Sauf que ça rime à rien du tout. Comment ils comptent s'y prendre pour faire sortir l'eau? Non, ça vient pas de l'eau. C'est ce qu'il y a dans l'eau. Comment ça? C'est simple. Écoute-moi une seconde. Salim m'a dit qu'Iram a été maudite quand Salomon a enfermé les mauvais esprits du djinn à l'intérieur d'une urne en cuivre et l'a jetée au plus profond de la ville. Un génie dans sa lampe. Je sais. Ça semble complètement dingue. Donc, tu penses que ce serait pour ça qu'Elizabeth et Dee auraient envoyé Francis Drake ici? Oui. Ils voulaient pas de trésor. Mais le pouvoir. C'est seulement quand Drake a compris son objectif qu'il a abandonné. Il a menti à la reine, en disant qu'il avait rien trouvé, masqué toute trace de son voyage, et réécrit l'histoire. Ben. On est qui pour juger Sir Francis? On descend dans ce trou pour mettre un terme à tout ça. Une fois pour toutes. Ok. Regardez ça. La ville repose sur cette caverne. Ça a pas l'air très sûr, hein? C'est le moins qu'on puisse dire. On ferait mieux d'aller en bas. Allez, sommeil. Le bordel. Tu te sens prêt? C'est parti. Incroyable. C'est comme ça qu'ils amènent l'eau à la surface. Regarde-moi ce plafond. C'est incroyable que tout soit pas encore effondré. C'est dingue que ça tienne encore. C'est là qu'on doit traverser. Aide-moi à ouvrir. Allez. Serve. Merde, à terre! Oh mon Dieu, non! Il est fini! La voie est libre, là en bas. Voilà. Voilà. Ah, merde,
Sully, il en arrive donc. On les a piégés. Oh, no!
est sûr, ils vont dans l'eau. Hey. Super. Je vais pas lâcher ça. Ouais. Sully, viens m'aider. On doit passer là. Mais qu'est-ce qu'ils ont ?
Ils voient pas qu'on va se faire enterrer. Je me dis qu'ils s'en foutent. Pas moi, putain. Cet endroit s'effondre. Bien. Chaque fois que tu fais ça. Donnez les loyers de Marlowe. Mais qu'est-ce que c'est pas là que... Cet endroit s'effondre. Chaque fois que tu dis ça. Donnez les loyers de Marlowe. Tout le monde. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils voient pas qu'on va se faire enterrer. Quelque chose me dit qu'ils s'en foutent. Pas moi, putain. La ville s'effondre. On construit une échelle. Attendez, deux. Let's go. Foutons le camp d'ici. Allez, viens m'aider.
dit! Vous! Drake! Non. Prends ça. Comme Francis l'a reçu d'Elisabeth. Prouve ta valeur. J'ai rien à prouver. Vite, ta main. Tu la laisserais mourir? Bien sûr que oui. Et donne-moi ta putain de main. Oh. Là. Tenez. Qu'est-ce que tu fous? Je peux pas. Je peux pas. C'est foutu. Je te dirai les fesses. Allez. Non. Nate. Non. Allez. Et voilà. Cours. Ok. C'est quand même une fin de merde. Dépêche. Enfin, une mort de merde. Seul, il faut qu'on sorte de là. Tout va s'effondrer. Les trois putains de balles. Les trois balles. Trois mètres de merde. Cours. C'est génial. On y est prêt. Allez. Oh non. Par là-haut. Ah!
charismatique. Merci, T. Allez, on monte. Cours, Salim. Ça pue grave. Ça va pas le faire. Salim, venez, montez. Viens, allez, viens, vite. J'ai eu le succès. Ça va, c'est bien trop. Ciao, ciao. Mon Dieu. Yalla, oui. Ben adieu là, la richesse inestimable, hein. Ben... Ça fait pas beaucoup. Ça suffit. Ouais. Attends un peu, Nate. Ça va? Ouais. Ouais, il y a juste un truc qu'il faut que je te dise, c'est tout. Ok. Dis-moi. Tu sais, mon père était un nul. J'ai mal démarré. Arrivé à 40 ans, je me suis dit que j'aurais jamais de fils. Et j'en ai jamais voulu. J'y connais rien, moi, à l'éducation des gosses. Et puis, t'as débarqué dans ma vie. Et t'as pas... Non, non, écoute-moi. Il le faut. J'ai fait beaucoup d'erreurs au fil des ans, petit. Beaucoup. Et, je suis pas quelqu'un de parfait. Tu me fais ta demande, Sully? Je t'adore, non, mais... stop. Stop. Arrête de faire le malin juste une minute. Ça fait combien de temps que t'as ça? Trop longtemps. Je l'avais perdu. Tu sais, petit, on n'a pas le pouvoir de choisir ses débuts dans la vie. La vraie valeur dépend de ce qu'on arrive à en faire. Hey. Hey. Tu vas quelque part ? Peut-être. Je suis vraiment désolée pour ta bague. Ouais, c'est rien. J'ai récupéré encore mieux. On se tire d'ici, d'accord? Ouais. Venez, c'est par là. Mais... Venez! Et confiance. Qu'est-ce que tu mijotes? C'est pas vrai! Ah, il est moins beau que celui que vous avez détruit il y a 4 ans, mais... C'est grand. Allez! Voyons si je sais encore piloter cette sale machine. Dis-moi, il y a des parachutes, hein? Oh oui. 3. Plus ou moins.